Bonjour Isabelle et la communauté Ma Maison Inou. Aujourd'hui, je vous emmène à Artroët. Bonjour Marjorie. Tu découvres aujourd'hui une activité que tu ne connaissais pas forcément, tableau by Inounette, puisque c'est sous ce nom-là que j'expose. Marjorie, on peut dire artiste peintre. Je crée des décors pour nos chantiers, on n'en parle pas forcément. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de préparer une exposition ici. Et donc, c'est l'occasion de montrer mon travail. J'ai toujours dessiné et aimé dessiner. Et il est vrai qu'avec l'activité Wet Paint Ad écologique, les peintures écologiques, tout a débuté comme ça puisque j'ai commencé à montrer les couleurs sur des toiles. Et c'est parti de là. Marjorie, toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, oui, de peps, oui. Tout simplement. Je vais avoir une approche plutôt énergique. On parle de ces personnages, de cet œil, de cette femme qui danse, qui est, oui, élancée, qui est belle. Beaucoup de rapport à la femme, de rapport à la vie, de rapport aux épreuves de la vie qu'on passe. C'est toujours sur une notation d'espoir. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est toujours d'apporter quelque chose, une énergie particulière. Je dirais beaucoup d'émotions dans tes toiles. Et de l'émotion, effectivement. Dans les personnages, ouais. En tant qu'artiste, sachant que tu as un job à côté, oui, tu prends le temps de peindre. Oui, je prends le temps de peindre le soir, je prends le temps de peindre le week-end. Il faut que l'envie soit là avant tout, c'est primordial. Toi qui es dans la déco, qu'est-ce qu'apporte une belle toile dans un intérieur, dans une pièce à vivre? C'est clairement une décoration qui va apporter une plus-value à ton intérieur. C'est pour moi un investissement et depuis toujours, je vois ça comme un investissement essentiel au final. De la force, une signature aussi? Oui, oui, puisqu'après c'est vrai que chaque personne qui expose ici va avoir son identité, c'est ça qui est super. Tu as pris des cours, tu as, oui, réveillé c'est vrai du talent aussi. Lorsque j'ai repris mes études en architecture d'intérieur, j'ai pris des cours de dessin et quelque part tout ça, ça a été lié, ça a été un démarrage. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois qu'il faut se laisser la possibilité de se donner envie de faire et de faire. Ça permet d'aller dans d'autres sphères et du coup il y a plein de surprises et plein de choses qui s'ouvrent à toi et c'est super. On peut retrouver aussi tes toiles aujourd'hui sur des sites. Tu me retrouves surtout sur les réseaux sociaux, Instagram, Tableau by Inounette, Facebook. Et puis après, tu vas retrouver effectivement certaines réalisations sur le site e-shop de Potpaint. Toutes les toiles sont réalisées avec ta peinture, oui, la marque Potpaint. On le rappelle, parce que c'est important, c'est, oui, de la peinture écologique. Oui. C'est de la fabrication française, du Made in Alsace. Exactement. Et les teintes ont été pensées, réfléchies, oui, avec toi. C'est vrai. Avec ta team. Et on a la chance aussi d'avoir quelques artistes qui nous font confiance avec les pots d'art. On a plusieurs artistes de la France qui maintenant les utilisent. Donc c'est vrai que c'est chouette. Nous, on se dit... À bientôt. À très vite. Ciao.